Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes samedi 18 décembre. Je n'ai pas eu le temps de venir filmer hier. Nous sommes donc le 17, logiquement, vendredi. Et oui, j'ai vraiment pas eu le temps de tourner quoi que ce soit. Et puis oui, j'ai pas réussi à tourner parce que je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle de ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais oui, donc j'ai ma journée de travail, l'école, voilà, des réunions un peu dans tous les sens. Et puis en fin de journée, avec mes enfants, nous sommes allés faire un petit tour en roller. Voilà, c'est pour ça qu'en fin d'après-midi, j'avais pas du tout le temps parce que bah, du coup, voilà, on s'est dit, allez hop, on va aller prendre les rollers. On est parti faire un petit tour et c'était super chouette. Donc voilà, et puis après il était tard, et donc j'ai dit, bon, on verra demain. Donc du coup, je vais vous faire une petite rétrospective de mes avancées tricot, donc de ce que j'ai fait depuis jeudi fin de journée, donc la journée d'hier, et puis bah, ce matin, j'ai quasiment pas tricoté, j'ai fait 3 mailles, c'est tout. Alors, donc, tout d'abord, je vous montre donc mon troisième bonnet qui est en cours. Donc voilà, il avance, je suis en train de faire le petit bord, donc j'ai fait toute la longueur attendue, voilà, parce qu'on n'a pas l'impression quand c'est plié hein, que ça représente, mais ça représente un petit peu quand même. Et puis là, je suis en train de rejoindre la bordure pour faire un bon petit bord bien épais. Donc, volume 3, voilà, donc c'est cool, je suis contente. Je suis toujours aussi contente. Vraiment, ce modèle est chouette. Et je me demandais d'ailleurs si j'allais pas faire un truc un petit peu plus fun parce que j'ai plein de restes, de fingering, des petits bouts par-ci, par-là. Et je me demande si je vais pas faire un modèle avec mes restes. Ouais, ça pourrait être chouette. Ça pourrait être très chouette. Et donc, le sujet qui m'a pris le plus de temps, donc c'est mon châle en test, le châle Calisma pour Audrey Borrego de Yann Flex. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents, j'ai fait d'abord une version avec de la laine de chez OBI que j'avais tricoté en double. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, de voir un petit peu le rendu qui était très très raide, très riche. Donc j'ai laissé tomber. J'ai refait une deuxième tentative avec une autre laine, donc en fingering de la bien-aimée, mais peut-être un peu trop fingering puisqu'elle fait 425 mètres au 100 grammes. Et donc, j'ai testé, pareil, je vous le montre dans la, je crois que c'était la vidéo précédente du coup. Et non seulement c'est très fin, alors les nopes, ça ressemble à rien. Déjà que les nopes, je ne suis pas hyper, hyper douée sur ça. Mais là, avec de la laine si fine, ça donne une espèce de petite crotte de rien du tout. C'est pas terrible. Et en plus, la laine qui est très belle, hein, de la bien-aimée, mais par contre, c'était un peu ma crainte. Comme elle est un petit peu chamarrée, elle n'est pas, on voit pas bien le dessin de la laine. Et donc, cette laine ne rendait pas le modèle, parce que vraiment, le modèle est vraiment très très beau, très travaillé, et là, on ne voyait pas. Donc, ça ne rendait pas hommage ni à la laine, ni au patron. Donc, j'ai redémonté une nouvelle fois. J'ai farfouillé dans mon stock de laine. Je me dis, c'est pas possible, j'ai bien trouvé quelque chose qui colle dans toutes mes laines quand même. C'est pas possible, je vais pas aller acheter encore de la laine alors que j'en ai 3 tonnes à la maison. Voilà. Donc, j'ai fini par trouver quelque chose qui est du laine fingering, du fil de Sénoni. Alors, j'ai pas l'étiquette avec moi. Donc, je pourrais pas je vous redonnerai ça éventuellement si ça vous intéresse, le nom de la couleur, parce que j'ai pas pris l'étiquette avec moi. Et donc, je vous montre la laine. Je crois que je vous l'avais montré en écheveau. Donc, bobiné. La voici. Voilà. Donc, elle est très, très belle. Voilà. Je l'avais acheté à Malakoff il y a 2 ans, me semble-t-il. Alors, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus. Non, je crois que c'était en... Je crois que c'était en février 2019, parce que 2020, bah, il y a le confinement, et 2021, est-ce que j'y suis allée cette année? Oui, j'y suis allée cette année, oui. Donc, c'était il y a 2 ans, en février 2019. Et j'avais acheté ça avec d'autres écheveaux que je voulais mélanger, j'en avais 4, et en fait, je me suis dit non, je ne mélangerai pas, je vais utiliser celle-ci. Donc, je vous montre. Donc voilà où j'en suis. Alors évidemment, ça va être un peu compliqué de vous montrer parce qu'en fait, il y a énormément, c'est énormément travaillé. Je ne sais pas si on... Donc là, on voit,
Là, il y a des petites nopes. Alors, les nopes, je ne suis pas très douée, hein. Voilà, on en voit une là, puis il y a une espèce de torsade qui passe à travers les nopes. Voilà. Voilà. Oui, là, on voit un peu là. La torsade, les petites nopes. Là, il y a une autre texture de l'autre côté, là. Voilà. Donc, je l'ai refait jeudi soir, me semble-t-il. Oui, c'est ça, jeudi soir. Donc, j'ai fait jeudi soir et hier soir. Et, eh ben, c'est pas simple. C'est pas un châle facile à faire. Tous les rangs sont différents, donc c'est, ça sera sur un diagramme. Par contre, le patron est très bien construit, hein, y a pas de débat. On voit que Audrey a l'habitude de gérer ça et que ça, voilà, c'est une professionnelle, quoi, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, j'ai eu aucun problème dans son explication. Par contre, c'est vrai que le châle, à la fin, alors la largeur du châle, alors c'est un châle qui fait sur un écheveau, voilà. Il n'est pas extrêmement profond, mais on voit voilà, qu'il commence de manière très étirée. Et c'est pas une mince affaire. Donc je dois finir ce test pour février. Alors je ne me souviens plus la date. Je crois que c'est vers le mi-février ou 20 février, je ne sais plus exactement. Je me dis, ah oh, c'est bon, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Mais heureusement que je me suis mis maintenant. Parce que déjà, avec mes problèmes de laine, où il a fallu que je change quand même. C'est mon troisième essai, hein. Voilà. Et le temps que ça demande, là, on ne croirait pas, mais je suis pas loin d'une centaine de rangs. Et les rangs, il n'y a pas beaucoup de mailles, on est bien d'accord. Mais c'est extrêmement minutieux. Il faut regarder rang par rang. Ça change tout le temps. Le nombre de mailles change tout le temps. Donc, on ne fait que compter, que regarder. Ça m'est arrivé de me tromper d'une maille. Donc, bah, crac, on doit démonter. Donc, il est important de bien compter les mailles. Parce que si on fait une erreur dans un petit point quelque part, après, on est tout décalé. Et alors là, c'est l'enfer. Donc, ça demande vraiment de la concentration et de l'attention sur le... Sur l'ouvrage, on ne peut pas faire autre chose. Je ne peux pas regarder une vidéo, je ne peux pas regarder de série. Enfin, en tout cas, moi, hein. Peut-être que d'autres y arrivent, mais moi, non, je reste vraiment concentrée là-dessus. Donc, voilà. Mais, voilà, je suis assez contente parce que le rendu devrait vraiment être chouette. Mais ça va être quand même quelque chose d'assez fastidieux. Mais ça devrait être chouette. Voilà. Ensuite, j'ai donc le. Faut que je mette ensuite le pull de mon fils, que mon fils m'a demandé. J'ai tellement de choses après que c'est infernal. Ah oui, puis hier soir, on a fait un tricoté aussi. C'est aussi pour ça que je n'ai pas eu le temps de tout faire, parce qu'on a fait la petite séance roller et après, j'avais les tricotés. Donc, du coup, c'était super sympa. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de tricoté avec notre petite bande de tricopines, donc c'était super cool. Et puis, on s'est donné un petit challenge pour 2022, du coup. Donc, ça va être super, super chouette. Un challenge sur un sujet sur lequel moi, je n'ai jamais, je me suis jamais frottée. J'avais dans l'idée de le faire, puisque j'ai des modèles qui correspondent dans ma bibliothèque, mais je ne m'étais encore jamais lancée. Donc, ça va être un beau challenge pour l'année 2022. À côté de ça, j'ai la petite dinette pour le calendrier de l'Avent de ma petite filleule. Voilà, j'ai un pull pour mon fils qui m'a demandé. Alors, je lui ai dit qu'il voulait ça pour le premier de l'an, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Voilà, donc voilà, la liste s'allonge et mon temps ne se rallonge pas, par contre, hein, n'est-ce pas? Nous sachons, je pense que tout le monde sait de quoi je parle. Voilà, alors je n'ai pas ouvert mes calendriers puisque je voulais le faire avec vous. Donc, pour le 17 et le 18, voilà, mes deux petits paquets sont là. Alors, je vais ouvrir pour le 17. Donc encore un très très joli bleu. Bleu vert d'ailleurs. Hein. Parce que bleu, c'est pas vraiment que bleu, c'est bleu vert. Très 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 beau. Très très beau. J'ai hâte de me mettre à ce sujet-là. Je commence à avoir des petits paquets un petit peu partout, comme je vous avais dit. Et puis celui d'aujourd'hui. Ah, il ressemble au. Ah oui, c'est le même que le premier, ça. Que le tout premier. Que la date du 1er décembre. C'est le même. Et je pense que le bleu, là aussi,
Celui que je viens de vous montrer, il ressemble à un que j'ai déjà eu. Mais celui-là, c'était le premier, j'en suis sûre et certaine. Voilà. C'est tout doux. C'est vraiment un vrai bonheur. C'est tout doux. J'adore. C'est trop beau. Tellement de couleurs là. C'est vraiment trop joli. J'adore. Donc là, il ne nous reste plus beaucoup de paquets. Hein. Je regarde là parce qu'ils sont juste là. J'ai le croc du 25. Et puis encore quelques petits. Puis j'ai un petit cadeau bonus aussi que je n'ai pas encore ouvert. Je l'ouvrirai demain ou au début de semaine prochaine. Je vous montrerai ça. Voilà, donc pour aujourd'hui, je vais essayer d'avancer mes deux sujets en cours. Je vais aussi faire le tri dans mes cotons pour voir un petit peu ce que j'ai pour la dinette au crochet. Et puis, il faut que je fasse le montage parce que j'ai préparé une petite vidéo pour ma blouse Froya. Donc, une petite vidéo de présentation sur ce que, voilà, de l'ouvrage. Donc, je vais aussi faire ça aujourd'hui. Je suis en train de bouger la table sur laquelle je suis et du coup ça bouge la caméra. Je suis désolée, j'espère que ça ne va pas être trop gênant, mais voilà, je viens de le voir que là ça bascule un peu. Je vais me. Oh là là, encore. Bon, c'est embêtant ça. Enfin, je trouve, hein. Bon, j'avais envie de me mettre là pour me mettre à côté du joli sapin parce que malgré tout, le temps passe vite et bientôt il ne sera plus là. Mais bon, pour l'instant, on en profite. En tout cas, là, nous sommes donc le week-end. La semaine prochaine, je travaille jusqu'à jeudi. Et ensuite, c'est les vacances. Donc, j'espère, pendant ces vacances, je vais faire une petite checklist, je crois, pendant mes vacances. Parce que j'aimerais faire un peu de filage, commencer un petit peu le filage. J'aimerais faire aussi de la couture. Alors, sur la couture, j'aimerais me faire un cale-livre pour pouvoir tricoter et lire. Parce que j'ai rien qui me tient les livres et du coup je galère un petit peu et j'aimerais bien bouquiner un petit peu. Mais quand je bouquine et que je tricote pas, j'ai l'impression de perdre mon temps de tricot en même temps. Et à l'inverse, quand je tricote et que je fais que du jersey, alors je regarde des séries, des trucs comme ça, mais j'aimerais bien profiter aussi de ce temps pour bouquiner un petit peu. Voilà. Donc j'aimerais essayer de faire ça. J'avais un modèle pour pouvoir le faire, le coudre. Voilà, j'allais dire tricoter. Non, le coudre. Et puis voilà, et puis les activités un peu avec mes enfants, profiter de ce temps en famille pour souffler et se faire des beaux souvenirs. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à plus tard!